Pardon. Excuse-moi. Je voulais dire, la chanson qui suit s'intitule la Pierrette à Pigalle, ce qui n'a rien à voir, évidemment. Là, ça marche plus. Parce que c'est toi qui joues. Qui me dit des mots qui me plaisent pas, je le trempe au colbec et j'y file une mandale. Je fais 80 kilos et tâté, y'a pas de gras, et c'est moi qu'on appelle la Pierrette à Pigalle. J'ai 42 balais, j'ai 10 ans de légion, et si j'aime les bas de soie et les talons aiguilles, premier qui est pas content, je les lui plante au fion. Quoique de mon naturel je sois plutôt bonne fille. Ce qu'il faut pas dans la grive, c'est l'imagination. On se vire sa cutie comme ça, comme qui rigole. Avec le temps qui passe, on se chope des passions. On commence comme Cade, on se retrouve chez les folles. Et puis quoi ? Du moment qu'on est bien dans sa peau, c'est plutôt rigolo de chanstiquer ses fringues, de se coller des perlouses. C'est peut-être con, mais c'est beau, là. Sans ce truc-là dans le désert, moi, je serais devenu dingue. Alors il faut comprendre, quand t'as joué les costauds pendant 10 ou 15 ans, un beau jour, t'en as classe. Tu cherches ailleurs, tu trouves, et puis tu changes de peau. Même de se faire mettre un peu, je te jure, ça délasse. Ceci dit, moi, je tiens ma virilité. Si je me sape en gonzesse, c'est pas tellement que j'adore. C'est que ma clientèle, y'a que ça pour l'exciter. Alors je fais ce qu'il faut, c'est plutôt du folklore. Et puis moi sur la peau j'ai que de l'Yves Saint Laurent. Je supporterai pas les trucs qui soient vulgaires. C'est comme ça que je me fais dans les 20 briques par an. Je ne me faisais pas ça quand j'étais militaire. Le seul drame de ma vie c'est que mon petit ami, il a 20 ans de moins que moi. J'ai peur qu'il se fasse la malade. C'est pas son intérêt, je l'ai prévenu. J'y ai dit, tout le monde saurait qui c'est, la Pierrette en à Pigalle. À Pigalle. À Pigalle.